j'en ai marre. Hey, oh, voilà. Ça va bientôt finir, là, c'est pro. Et bonsoir les gens, salut Bado, bonsoir à la majorité silencieuse, que ce soit en direct ou en replay sur YouTube, salut Canton, j'espère que vous allez bien les gens, que vous avez passé un bon petit week-end. Alors ce soir on va continuer donc les aventures avec Last Lunch avant la fin, et ensuite qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de beau. Alors cette semaine, on se revoit donc jeudi soir pour Last Lunch avant la fin, mais mardi soir il y aura un stream à l'arrache. Sur un jeu que je vais vous présenter, présentation et découverte, donc soyez attentifs sur le Discord communautaire, je vous réserve la surprise le mardi dans la journée pour vous l'annoncer. Mais en gros voilà, ça sera un petit jeu de stratégie qui a l'air bien sympathique, et donc je vous ferai une petite présentation et découverte, et je le découvrirai avec vous. Salut Quentin, salut GGMule, allez c'est parti, on enchaîne. Alors rappelez-vous, on en était où? On avait pas mal de meubles légendaires qui avaient été faits donc par Renolf, parce qu'en gros on l'avait dû éliminer un petit peu le surplus de vêtements qu'on avait ici. Donc la salle à manger est bien pourrie par plein de fringues. Non, ça sera pas Minecraft, c'est un jeu qui sort très prochainement. Donc on va devoir vite finir la recherche. Normalement, je crois qu'elle est peut-être même faite. Elle est peut-être faite. Attendez, je vais remettre le son du jeu là. Hop, c'est mieux. Salut Iggy! C'est annoncé, donc c'est plus vraiment l'arrache. Si, parce que normalement ça fait pas partie des créneaux que je fais d'habitude, Canton. Moi je stream, j'essaie de me fixer, on va dire, deux streams par semaine, hein, vous le savez, hein, c'est le jeudi soir et le dimanche soir. Quand je fais un stream en dehors de ces créneaux là, ou alors c'est parce que je déplace un dimanche ou un jeudi, ou alors c'est parce que c'est exceptionnel. Mais donc là c'est un stream à l'arrache, je les ai baptisés comme ça. Industrialisation et les masques de chevaux. Oui Makina, c'est vrai qu'il faut qu'on finisse, faut que Iggy finisse les masques de chevaux. Bado, j'ai tellement de retard, en même temps j'ai commencé ma formation donc faut choisir. Mais je t'aime beaucoup donc je suis là et je révise en même temps. Et bah tu as bien raison Bado, l'IRL avant tout, sache que tous les épisodes tu les retrouveras sur YouTube. Donc effectivement tu n'as peut-être pas la primeur du direct, mais en tout cas toutes les aventures tu les retrouveras facilement sur YouTube. Je n'en dis pas plus Canton, j'annoncerai ça tranquillement lundi ou mardi sur le Discord communautaire. Alors les masques de chevaux, il fallait qu'on en fasse combien? On a ça aussi à faire. Alors si c'est ça, 46 masques de chevaux de qualité normale ou supérieure. Pour l'instant nous en avons pas beaucoup je crois. On en a 16, 16. En sachant que c'est plutôt mal barré au niveau de la date. Il faut que j'accepte la quête dans pas longtemps. Et on a dit qu'on acceptait pourquoi déjà? Alors j'acceptais pas pour les armes, pour la simple et bonne raison qu'avec le bug ça risque d'être compliqué. Je sais plus pourquoi on acceptait, c'était les neuro-entraîneurs ou c'était pour le... ou pour l'or? Oh je sais plus, on n'avait pas fait un vote? C'était pour l'or? D'accord. Ok, c'était pour l'or. Pour les neuros. Ok, très bien. Les neuros. Il y a un masque qui n'est pas dans la mode qualité. Mais t'inquiète pas, il compte pas, Makina. Dans les statistiques ici, par rapport à la commande, j'ai dit normal ou légendaire. Donc en fait, quand il dit qu'il y en a 16 de fées, celui-là doit être probablement être le 17e. Donc il ne compte pas. Alors, je relance pas parce que justement, je veux suivre un petit peu où est-ce qu'on en est. On avait fait donc les recherches qu'elle est bien. J'avais ça qui était en cours, il me manquait de l'or, de plastacier, des pucia basiques, composants avancés. Donc là, ça va être un petit peu galère. On a les aides qui sont là pendant un certain temps. Ah oui, là, on va pas avoir beaucoup d'accalmie pendant les prochains jours. Donc c'est pas grave. Je veux regarder un petit peu, c'est au niveau de l'automatisation. Parce qu'en gros, je veux faire une chaîne pour détruire, pour récupérer tout le matos. Tout ce qui va bien. Donc automatiser. Où est-ce que c'est cette histoire? Trémi, maçon, drone cultivateur, tondeuse. J'ai dû la faire la recherche, on est d'accord. Hein. Les forêts MK1. Le haut fourneau, on s'en fiche. L'extracteur. Je l'ai pas ici. Attendez, est-ce que j'ai fini la recherche moi? Pour moi, oui. Alors, Rim Factory. C'était où? Assembleur, cuisinière avancée. Il me semblait que c'était là.
Cadre de machine. Défoliateur. Oui, le défoliateur est toujours en place, Canton. Ça va être problématique. Il va falloir que j'attende le bon créneau, je pense, dans quelques jours, là, quand les zombies vont tomber. J'aurai une toute petite fenêtre de tir et je vais tirer là. Et bonsoir, Darksider. Sois le bienvenu. Première fois que tu arrives sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Où est-ce qu'il est? J'ai un truc qui, normalement, est censé. Un recycleur universel. Ah, voilà, c'est ça. Recycleur intelligent. Je suis pas en train de rechercher ça normalement? Attends. C'est bizarre ça. Recycleur intelligent. Fourneau. Ah, fourneau avancé. Fourneau très avancé, très efficace. Il a pour mission de transformer les objets en ressources brutes à une vitesse incroyable. Ok. Assembleur basique. Machine. Recycleur intelligent. Q. Ah, ça avait dû sauter. On le remet. Let's go. Eh ben écoute, sois le bienvenu Darksider. Toujours un plaisir de voir des têtes qui arrivent de YouTube. Ça fait plaisir. Contusion avec une bière. Ah, il s'est fait massacrer le petit chiot là. Les prisonniers. Alors les prisonniers, on avait qui? Gars, c'était qui? C'était Kago. Hein. Kago, je crois que tu étais, t'étais futur gars ici. Nug, on a dit qu'on n'en faisait rien du tout, je crois. Parce qu'il valait rien. Volonté de faire noctambule. Agriculture. S'il faut que je le recrute et que j'envoie dans un bon poste, on est d'accord. Et Hardy. Hardy, c'est un pyromane. Agriculture 2, donc je pourrais l'envoyer aussi dans un avant-poste. Les deux, je vais essayer de les envoyer dans l'avant-poste. Dans un avant-poste en plus avec nos autres ici là. Avant-poste agricole pour faire du foin. C'est ce qu'on avait dit, hein. Je crois que c'est ça. Hein. Au niveau des avant-postes, on en a un qui nous fait. Non, c'était pas du foin, c'était du bois qu'on voulait faire. Là ici, on a ça. Et en gros, je sais pas si c'est du foin ou du bois qu'on va faire dans l'autre. Parce que d'un côté, il me faut du bois. Mais de l'autre côté, il me faut du foin aussi parce qu'avec le nombre d'animaux que je vais avoir, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Le pyromane à l'avant-poste de bois. Alors effectivement, ça semble assez incongru, mais en fait, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'impact. Par contre, ici, je suis censé avoir... il me manque... Il va me manquer un truc, on est d'accord. Puits de lumière, il va me manquer un truc. En gros, faut que je fasse ça quoi. Pour être bien. Pour être bien, faut que je fasse ça. Alors, faut qu'on se débarrasse assez vite de nos deux boulets. Il y en a qui vont claquer s'il n'y a pas d'IO. Oui. Bah, je voudrais bien essayer de recruter tout le monde et je les envoie tous faire un avant-poste. À l'avant-poste agriculture pour du bois. Maladie grave. Alors lui, il est plutôt mal barré. Infection extrême. Ah mais il est mort lui. Hardy il est mort. Ah oui, bah Hardy il est mort. Récupérer les munitions, déshabiller. Limite, est-ce qu'on récupère pas un truc sur lui? Ouais, tu me diras, ça serait peut-être pas bien. Je sais pas, j'hésite. Est-ce qu'on a besoin d'ingrédients? Enfin d'ingrédients, d'organes, pardon, d'ingrédients. Est-ce que quelqu'un aurait besoin d'un ingrédient? D'un organe. Je vais y réussir. Hein. Bras droit, non, ça il faut qu'on le fabrique. Index aussi, pareil. La jambe, on peut rien y faire. Oreille gauche, ça ne se greffe pas. Pouce droit non plus. Auriculaire non plus. Canton, Yuki. Non. Non, je peux rien dire. J'ai envie de te dire que tu récupères tous ces organes au cas où. Iggy, un cerveau. le rôle médecin avec son pouvoir immunitaire. Non, on peut rien faire. Il y a trop de décalage là. On est sur un 56-78. Je sais plus qui c'est le médecin. On peut le tester. On peut le tester. On peut le tester. J'y crois pas trop, mais on peut le tester. Le
je crois que Nug est pas surconvertir. Il y en a pas un qui était. Ils étaient pas en volonté inébranlable. Non, ils sont déjà morts les volontés inébranlables, je crois. Nug, il est sur. Effectivement, bien vu. On va le convertir. Et lui aussi, on va essayer de le convertir. On est censé être gentil, mais ça fait deux fois qu'on fait des sorties pillage où on massacre les autochtones en kidnappant les survivants. Donc le trafic d'organes, pourquoi pas. Et petit vote de la modération là. Est-ce que récupérer les organes sur quelqu'un, c'est démocratiquement et moralement acceptable? Il me faut quelqu'un pour nettoyer là, c'est le bordel. Galgarad, non. Makina, tu es parti sur quoi? Sur artisanat, couture, Malo. Mon cher Malo, pourquoi tu ne nettoies pas plus que ça? Dessine au sol, patrouille rouge. Non, 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 Malo, c'est pour ça que c'est aussi crade, parce qu'en fait, il manque quelque chose. Il a une carte de donneur sur lui. Tactiquement, ça les sert plus une fois mort, alors vaut mieux que ce soit utile à d'autres. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Ok. Alors, c'est parfait. On vient de finir ce qu'on voulait au niveau de l'automatisation. Donc, où est-ce que c'est cette petite chose? Recycleur intelligent. Ok, ça passe. Recycleur intelligent, qu'est-ce qu'on a d'autre? Machine d'art. Attends, mais la machine d'art, c'est pour faire quoi? Artiste. Une machine d'art automatisée qui peut créer des œuvres d'art de niveau artistique de 14. Ok. Assembleur basique. Ah! Eh bien, écoutez, vous êtes indécis. 50-50. C'est assez intéressant. Écoutez, à 50-50, ça veut dire ni oui ni non. Donc ni oui ni non, on fait pas. On fait pas, il n'y a pas de majorité. Alors, un assembleur automatisé qui peut fabriquer et confectionner des pièces vitales telles que des composants et certains cadres pour d'autres constructions. Ok. Là, on commence à attaquer vraiment l'industrialisation. Je sais pas où, mais il va falloir que je fasse ça. Je sais pas où, mais il va falloir que je regarde ça. De toute façon, le but du jeu, ça va être de bouger tous ces genres de choses-là. Donc on va commencer à le faire dès maintenant. Alors ça, ce loisir-là, on va le déplacer ici. Et on va voir ça déjà. À la place de la carie. Ah oui, c'est vrai qu'on a la carie à retirer. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Mais. De toute façon, la carie, il faut que je la détruise. La carie n'a plus lieu d'être. Effectivement, Galera, ça aurait été pratique que Boy soit là. Et votez les gens, vous êtes 36 là à peu près sur le stream là, il n'y a eu que 12 votes. Et vous pouvez tous voter. C'est votre parti aussi, c'est la démocratie qui parle. Est-ce que moralement vous acceptez qu'on retire des organes ou pas? J'ai un problème de flotte ou c'est moi? Ou c'est toujours pas réglé cette histoire de flotte? Normalement la flotte elle est là. Ah, d'accord. Tous ceux qui étaient contre, vous n'avez pas voté. Il y a 10 votes pour maintenant. Donc on va dire que c'est oui. Est-ce que c'est pas trop tard? On va voir. Au niveau de la pompe, on est comment? Tac, 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 tac. Ça revient là, ça revient ici, ça revient ici. Alors, normalement, ça devrait être bon. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Clean. Débouchage. J'aurais peut-être pas dû faire ça avec toi, excuse-moi, pardon.
Il faut que je fasse ça avec quelqu'un qui est pas loin. Nettoyage. Malo. On va déboucher. Remplace la forêt à bois. Oui, la forêt à bois dans l'idéal, il faut que je la remplace. Faut que je la remplace par ça. En termes d'énergie, on a encore un peu de marge, on est d'accord. C'est crade, mais c'est archi crade. Relaxation sociale et après, clean the room, s'il te plaît, Gigi. Qu'est-ce que je voulais faire? J'étais en train de faire deux trucs là. Ah si. Si, vous avez voté pour. Pour retirer les allées. Jekyll est là ou pas? Je l'ai pas vu arriver. Est-ce qu'il y a un médecin dans la pièce? Y a-t-il un médecin dans la pièce? Le médecin le plus qualifié est présent. Ah, ça se trouve, c'est même pas Jekyll. Ah, quoique. Putain, aussi, on a perdu des compétences en médecine là. C'est Gigi après. Est-ce qu'on l'opère ou pas? Dans l'avion AS. Et maintenant que je ne tiens plus le balai, ça se laisse aller. le prisonnier est mis sur recruter, oui, ici. Bon, on va récupérer. Qu'est-ce qu'on récupère? On va éviter de le tuer direct. On va récupérer un poumon. Alors, on va récupérer un poumon. C'est parti. Pas de médicaments pour la résection, aucun soutien médical. Ah oui, on avait dit qu'on lui coupait la. Qu'on lui coupait le truc. Pas de médicaments pour la restriction, aucun soutien médical. Attends, il est pas en aucun, autant, il est pas en aucun soutien médical. On parle de qui là? Je suis sur Jekyll. Oh là là, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On est sur Hardy, pardon. Tac, 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 tac. Salut, Jodox. Allez, on l'opère. Poumon et rein. Les jambes et un bras. Non, on peut pas récupérer les bras et les jambes, Darksider. Effectivement, je peux récupérer un poumon et un rein. On va voir comment ça va gueuler ou pas. Salut Alftoro! L'opération amène le sol, je peux te garantir que ça c'est pas mal. Ça envoie du lourd là. Léorette, tu veux venir dormir ici? Je sais pas pourquoi t'irais dormir de l'autre côté. Il y a The Best qui dort déjà avec Renolf. Tout à fait, Galgard. Donc on va éviter. Ok, ça a fonctionné. On va enchaîner. À votre avis, j'aurai combien de temps pour accepter la quête pour les neuro-entraîneurs? Combien de temps ils vont me donner en plus? Là, on est à 18. Être tendu. Ça va être tendu, ça va être tendu. Trop cool de pouvoir se mater un stream à nouveau et au réveil en plus, c'est trop de la balle. Techniquement, 5 jours, j'espère. Qu'il y a des problèmes de transport. Salut Jekyll. Ça a marché? Oh putain, ça a marché. On a réussi à lui amputer les deux.
Alors? Oh, il va claquer avant. Je pense qu'on a bien fait. Hein. Va falloir une vraie salle d'armes. Mais bien sûr, Tekken. Ça, c'est sûr. Bon, je pense qu'on a bien fait de lui récupérer le poumon et le rein parce que c'était perdu. Il va claquer. C'était une bonne décision. Allez hop, chez. On a bien fait. On a bien fait, on a bien fait, on a bien fait, on a bien fait. On en est où ici? Donc il est à 17%. Waouh, là il y a du monde. Ils sont énervés. Et on n'a pas du tout encore le moment où ça va se calmer, quoi. Non, je les renvoie. Je garantis la sécurité de personne. Double tapis. Non, non, normalement il va être amené ici. Hop, et il va être brûlé là. Hop là. Incinéré. Finex. Bonne décision. Montre un peu les malus que ça met au colon. Ouais, effectivement, il doit avoir des malus. Un organe a été prélevé sur quelqu'un. Prisonnier inoffensif mort. Et ça, j'y peux rien, mais effectivement, moins 9. Mais après, ça va, on a quand même le moral qui est quand même assez bon, quoi. Là, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir recycler toutes les armes et toutes les fringues, je pense. Alors, les fringues, faut que je regarde exactement quoi. Mais, ouais, je pense que les fringues aussi. On va arriver à un stade où est-ce qu'on va commencer à se crafter nos propres fringues, quoi. Encouragement pour le travail au craft. Je crois qu'il l'a déjà encore. Il l'a encore pendant 2 jours. Faut que j'accepte la quête dans pas longtemps. Oula, ça s'excite là, les zombies. Machina, 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 tu vas faire pan-pan, s'il te plaît. Qui d'autre? Kerrigan, j'ai besoin de toi en craft. Canton, tu vas aller faire pan-pan. Canton, t'as 2 armes intéressantes, toi. Va pas m'en perdre une. Hein. Yuki ou Canton? On va plutôt mettre Yuki parce que Yuki, tu vas bientôt avoir aussi le 15 en tir. Ok. Il y en a un qui vient de se faire sauter la tronche. Et heureusement, c'était pas un mur qui l'a ouvert. Mais moi aussi, si tu veux, Quentin. Allez, va faire pampan. Au nord, ça craint pas trop. De toute façon, il y a ça. Après, la faille sur la défense pour arriver au nord. Hein. Il suffit juste qu'au nord qu'il y en ait un qui se pointe avec un truc boum boum. Et ça me pète à la tronche. Je vous dis, je surveille de moins en moins, donc à un moment donné, je vais le payer cash. Salut The Katness. Aucune idée, j'ai jamais essayé de le faire tourner sous Linux, Amnésique. Mais je pense qu'il tourne, oui. Moi, il me semble que j'avais lu des retours en disant qu'il était. Qu'il tournait. Hein. Bon, réveil, je suis volontaire pour un coup de balai dans la salle à manger. Écoute, tu sais quoi, Galgrad? Je prends ça au pied de la lettre. Et je vais te faire monter tes niveaux. De priorité. Ça, on s'en fiche. Allez, go. Ah, je commence à sortir du minerai. Hein. Il y a du minerai qui commence à sortir. Hein.
Allez. N'empêche, ça serait cool, hein, ces neuro entraîneurs. Neuro entraîneurs artisanat, ça serait vraiment bien. Parce que 6, en fait, je vais en donner à 3 personnes. 3 personnes, 2 neuro entraîneurs chacun, histoire de booster à fond. Et ça serait cool, quoi. Iggy, t'es bientôt à 15, quoi. Alors, restaurer le sol. Une carrière a été déconstruite, vous pouvez désigner des colons pour recouvrir l'ancien sol afin d'obtenir un terrain utilisable là où se trouve autrefois la carrière. Récupérer le sol. Récupérer le sol, je peux ça? Je peux récupérer le sol? Restaurer le sol. On peut. On peut, on peut. Et ça, c'est parfait. Alors, fais-moi rire. Détruire les morceaux de roche, recycler des vêtements, recycler des armes, déchiqueter le corps des mécanoïdes. Oh, mais c'est énorme! Ok, déchiqueter le corps des mécanoïdes, donc en boucle. Ici. Pour là, les corps de mécanoïdes. Carcasse de mécanoïdes, et là-haut, ça passe pas. On est d'accord, ça c'est cool. Ensuite, les armes et vêtements. Alors, un choix se pose à nous. Bon, les armes, déjà, c'est sûr. Les armes que oui, les armes, ça c'est sûr. Les armes. Non, pas les vêtements, j'ai dit les armes. Les armes. On fait ça. En boucle. À partir du moment où est-ce qu'elles sont de qualité médiocre. Toutes les armes médiocres, je les recycle. C'est certain. Ce qui veut dire qu'ici, stockage. Les armes de qualité médiocre. J'espère que ça jouera pas sur les autres trucs. Mais ça pourrait être pas mal. Ensuite, la question qui se pose. Mais je pense que je vais. Ouais, tu vas monter en manuel, Katniss. Je vais pas faire l'outil automatisé. On va faire ça. On va garder ça à notre niveau. Ça, par contre, recycler, on va le faire. La question que je me pose, c'est les vêtements qui sont médiocres. Est-ce que je les recycle aussi? Parce que si jamais je les recycle, je vous explique. Ça risque de faire moins de thunes. Ça risque de faire moins de thunes. Parce que vous avez vu que les fringues qui étaient de qualité médiocre, qui provenaient des zombies, des fois valaient une fortune. Alors, d'un côté, je pense qu'il faudrait les recycler pour peut-être Iggy, une ou deux personnes qui, eux, craftent des fringues qu'on va revendre forcément plus cher, quoi. Si ça jouera sur la qualité des autres items. Ouais, mais les autres items, je mets quoi ici qui est gênant dans les autres items? Parce que pour l'instant, je mets de la caillasse, je mets des cadavres, je mets des mécanoïdes, je mets rien d'autre. Si tu fais des vêtements, il va prendre les fringues des aides. Oui, Kago, c'est pour ça que je te dis, j'hésite à le faire ou pas. Alors, filtre, arme. Tac, et il envoie. Et normalement, ça va recycler. C'est en quoi ça? Ah, je m'en fais, je crois que c'est du cuivre. Il va recracher quoi? Alors, ici, filtre. Filtre, filtre, filtre. Il faut que ce soit les armes de qualité médiocre. Et ici, j'autorise les armes de qualité normale ou légendaire. Donc là, ça va tourner en boucle. Normalement, ça fait ça. On est d'accord. Qu'est-ce qui m'a craché? C'est du bronze?
Oh putain, je sais pas. Limite aux fringues des morts. Ça c'est sûr, Shido. C'est sûr et certain qu'à un moment donné on le fera. Je trouve ça un peu aberrant le prix des fringues de zombies qui en RP doivent être des locs infâmes. Donc je vois pas de souci à ce qu'on les recycle. Effectivement, niveau roleplay, ce serait plus logique qu'on les recycle. Le X c'est que c'est un par un. Oui, mais c'est un par un, mais c'est automatique, Kagou. J'ai vraiment pas à m'y pencher. Donc honnêtement, même si ça prend un certain temps, c'est pas grave. Ok. C'est du bronze, ça. C'est du bronze, on est d'accord. Alors, chef de l'Ilantromone nous salue. Apparemment, le tristement célèbre, le rôdeur mince des équipages pêche se casse dans notre région. Il nous demande d'apporter donc le rôdeur mince à l'un de ses campements pour le double si elle est vivante. Elle se cache dans une planque. Générateur de tornade. Ça serait intéressant comme quête le moment où est-ce qu'on pourra faire des véhicules pour se barrer assez facilement, quoi. Vu la vitesse de travail, je pense que tu peux faire que les armes sur celui-là et faire un circuit à part au plus tard pour les fringues. Oui, je pense aussi, Galgard. Mais tu sais quoi? Je peux faire limite un deuxième. Si j'en fais un deuxième ici, ça passe. Ou en deuxième ici là. Zone découverte. Oula. J'ai eu peur. C'est lui là qui est en train de tout péter. Mais je m'en fous de lui. Enfin, je m'en fous. Pour l'instant, je m'en fous. Il va falloir que je le défonce par contre. Je peux en faire un ici. Je pourrais même en faire un autre là. Fais-le en l'intérieur. Bah, le problème, c'est que la chaîne intérieure, elle est pas prête. Donc non, 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 pour l'instant c'est en extérieur. Ou alors plus tard, je pourrais très bien fermer ici, quoique non, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. Il me reste... où est-ce qu'elle est cette quête? Où est-ce qu'elle est la quête? Ah putain, j'ai eu peur. Je l'accepte? On va accepter. Allez hop. Moi j'ai pas de date. J'ai pas de temps pour le faire. Tant mieux. Un vaisseau marchand atterrit à proximité. Yeah baby. Allez hop. Après avoir écouté Boys, tu iras. Quoi? Il dit un jour? Non. Le voyageur a une croquette de machin, il souhaite acheter en retour des capsules. Accepter à laquelle le vaisseau atterrira. Ah! Et le vaisseau atterrira. Ah, mais oui! Oh, oh merde! Ah putain! Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Un jour. Ah, oh, c'est mort. Oh, fais chier. Comment tu veux que je fasse ça en un jour? Comment tu veux que je fasse ça en un jour? Comment tu veux que je fasse ça en un jour? Attends, il fallait un deuxième atelier. Ouais, je confirme. Ouais.
Alors, copier, coller. Qui est le meilleur en craft? Iggy. Après, c'est Jekyll à 8,57. Katniss à 8,51. Ok. Pourquoi clean the room là? C'est quoi ce bordel? Il y a où le souci là? Ah, mais oui, suis-je bête. Jekyll. Katniss. Reynolf, encouragé à la production. Offre des conseils sur les techniques de construction, l'amélioration de capacité de construction et d'artisanat pour tout le monde à proximité. T'as rien à faire? Bah écoute, tu sais quoi? Viens glander ici, Reynolf. Salut Kargan! J'entends que ça tape, j'entends que ça. Ok, ils sont toujours là. Waouh! Qu'est-ce que tu fous à l'extérieur? Tu es à l'extérieur parce qu'en gros, on a un problème pour sortir. Ok, très bien. Parlons-en. Parlons-en que il est interdit de sortir. Donc tu rentres, ce juge. Voilà. Et vous ne sortez plus. Inspecteur des travaux. Voilà. C'est clair. Oh, les pigus! Quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Ouais, je t'autorise à manger, Iggy. Trois, 41, ouais, ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Commence à charger. Effectivement, Tiken. Mais je suis pas sûr que je puisse. Ouais, voilà. Attends, la caravane doit avoir 46? Pourquoi j'ai mis 46 alors que c'est 40. Attends, la quête c'est combien? C'est 46, c'est pas 41. Oups. Oups. 5 heures. Ok. Pourquoi les douches ne sont pas reliées au total égout? Ah, donc c'est bien ça, il y a bien encore un souci sur ça. Normalement, si. Je pense que j'ai un problème de flotte. Il n'y a que 10 litres.
J'ai un problème de pompe. Alors attends. J'ai un puits profond ici. L'usine de traitement. Attends, il me manque. Et c'est que j'ai pas assez de pompe, je crois. Bad hygiène. Puits profond, pompe électrique. En fait, il me faut une plus grosse pompe, je crois. J'ai peut-être pas assez de tirant de flotte. Zut. Je veux plus voir de chevaux après ça. Ça ferait la demande, tu pompes trop peu pour l'usage. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Avec les aides qui sont autour. Alors, je suis aux petits soins pour vérifier votre morale là. Ça te donne un petit boost. Énorme hôpital réchauffe. Réchauffé. J'ai un peu la tête qui tourne, ébriété. Ah, c'est pas mal ça. Ok, parfait. Iggy. Attends, il n'y a pas le café? J'ai pas un truc à faire avec le café là? Café mocha là. Fatigue x 85. Parfait. 4 messes. Boire un café mocha. Iggy. Viens boire un café mocha aussi, s'il te plaît. Oui, c'est exactement ça. Et ça, pour l'instant, tu tiens le coup. Négatif, The Best. Je te mobiliserai qu'en cas de combat. Quarante et un, on va réussir. Hein. Iggy. Non. On dormira plus tard. Alors, Quentin, je te mets sur un mouvement orange. Kan, ton nom. Yuki. Yuki, t'es sur du rouge. Makina, t'es sur du rouge. Quentin, je viens de te faire basculer sur du orange. Donc, orange, c'est tout le truc. Orange, c'est uniquement le sud. Le rouge, c'est que le sud, pardon. Orange, c'est tout le tour. Il me faut un autre pour tout le tour. Malo. Malo pour tout le tour. Allez, j'ai pas le temps. Je m'occupe de ça là. Il y a un truc qui vient de péter. Oh, le stress.
Normalement, c'est bon. Ok, on a les 47. On a les 47, ce qui veut dire que... Tac. Bingo. En gros, ils ont directement été ramassés ici en instantané. Les capsules sont arrivées. Ok, les 6 neuro-entraîneurs sont là. Normalement, ça se repose là. Tous ceux qui ont été mobilisés, vous pouvez aller vous reposer, manger, tout ce qui va bien. Donc, ce qui veut dire. Non, 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 non. On va arrêter les conneries. Hein. Avec cette commande à la con là. C'est bon. On peut annuler. Ouais, d'accord, ça tire plus parce qu'il n'y a plus de munitions. Ça tire plus parce qu'il n'y a plus de munitions. Malo, t'es censé en avoir. Je porte quoi actuellement? Renolf. Tu portes un artefact de folie psychique. Tu portes des gants de Marines. Après le reste, c'est quand même assez useless ce que tu portes. Un casque renforcé en acier. Mais là, on va commencer à voir quoi. C'est lui là que je m'inquiète là. Quentin, t'as pas une portée de fou avec ton arme? Jekyll, j'aurai besoin de toi ici. Ok, t'es au repos, nickel. Animaux affamés. Pourquoi j'ai les animaux affamés? J'ai plus de croquettes. J'ai plus de viande. Si j'ai les viandes. Alors pourquoi ça n'a pas été fait ici? Yuki, t'es juste à côté, c'est justement pour éviter ça. Yuki, on est bien d'accord que t'es en alimentation 1. Cuisine à 1, et t'es censé faire que ça. En fait, ce qui manque, il faut que j'ai un cuistot jour et nuit, quoi. En plus, on a Makina aussi. Makina est à la garde. Ok, Makina, je vais te retirer de la garde. Feignasse Yuki. Qui ça, Renolf? Jekyll était mobilisé avec toi? Enfin non, il n'y a que toi qui étais mobilisé, après les autres étaient en travail forcé. Et merci Galgarad. Les chiens, normalement non. De toute façon, t'es censé en avoir qu'un. Ah putain. Non, voilà, non, 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 ils étaient pas motivés avec toi. Ils étaient pas mobilisés, pardon, avec toi. Ah putain, si, il y avait des bergers allemands qui étaient mobilisés avec toi. Autant pour jeu. Je les retire.
The Best était pas mobilisé, mais les autres petits chiens, oui. J'ai pas fait gaffe. Faut refaire le sol du seuil au-dessus de la chambre de Yuki. Oui. Terraformer. Il faut de la terre, ici. Et toutes les armes ont été recyclées. Toutes les armes pourries ont été recyclées. Ce qui veut dire que maintenant je peux mettre les armes pistolet à silex, les arcs composites. Alors, stockage, pistolet à silex. Attends, ah putain. Ah mais ça va m'embêter cette histoire. Oh le truc lourd. Personnaliser les règles. Alors, pistolet à silex, arc, pas les arcs à poulies. Hop là. Yuki immobilisée en tour de garde, c'est pour ça qu'elle ne fait pas la cuisine. Ah! Mais j'en peux plus, moi. Qui va faire le truc alors? Allez, je libère Yuki, effectivement. Ah oui, il y avait Yuki et Makina qui étaient de garde, donc forcément pour la bouffe, ça aide pas, quoi. Pardon. En boucle. Bon, le garage, on en est où là? Véhicule. Alors, quel est le premier véhicule qu'on va faire? Alors, je vous le dis direct, les véhicules sont overpuissants, overpétés. J'en fais parce que bah, c'est quand même une bonne feature, un bon truc par rapport à cette campagne. Je vous avais promis qu'on allait faire des véhicules, donc on va en faire. Par contre, je peux vous garantir qu'on va pas en faire à outrance, parce qu'en gros, c'est déjà overpété. C'est vraiment très 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 pété. Pour l'instant, le grand défaut pour moi de Vanilla Véhicule, le framework, le gros défaut qu'il y a, c'est qu'en face, les ennemis n'utilisent pas de véhicule. En gros, ça serait vraiment intéressant si jamais les ennemis en face arriveraient avec des tanks, arriveraient avec des véhicules et tout ça. Là, ça serait réaliste, tu aurais vraiment une pression de fou et ça te pousserait à faire des véhicules. Actuellement, ils viennent toujours à pied, ils sont charcutés, il n'y a pas de souci. Donc, si jamais je fais des véhicules de transport, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est prévu, Exu, sois le bienvenu. Enfin, bonsoir à toi, je crois que tu étais là depuis un certain temps. Je sais que c'est prévu, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qui veut dire qu'en gros, faire des véhicules de transport, oui, ça, ok, il n'y a pas de souci. Hein, tu sais, du voyageur un petit peu à la Mad Max ou autre, il n'y a pas de souci. Par contre, on va pas s'amuser à faire 40 chars ou n'importe quoi. Je vous le dis direct, quoi. Une mule pour récupérer les armes en poste. C'est exactement ce que j'ai en tête, Kago. Donc, Makina, la chambre au-dessus de Yuki pour la cuisine. Oui, Jekyll, c'est une bonne idée. Je sais pas ce qu'en pense Makina, mais oui. Donc, ce qu'on va faire en premier, je pense qu'on va essayer de voir. Alors, attendez, il y a combien de capacités de transport de ça? Il y a un conducteur, un passager. En fait, il faudrait que je fasse ça avec une mule. Ça serait réaliste, une mule, quoi. En plus, la mule, elle est immense, quoi. La mule, en gros, ça ferait partir à 4.
Cargaison 600. Donc en fait, on ferait partir du style un véhicule comme ça. Et un véhicule comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait plus ou moins réaliste quand même. Un véhicule avec juste une mitrailleuse ou un canon et le reste au camion. Ouais, on n'en fera qu'un seul. De véhicules pétés, on n'en fera qu'un seul. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être ou un Highwayman, ou alors un. Alors celui-là, c'est un lance-roquette. Bah, c'est trop puissant. À voir. Mais en tout cas, je vous dis, ça, c'est le lance-flamme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas en faire à outrance. On va pas en faire à outrance parce que pour moi, ça casse le lore. Ça sera vraiment intéressant, je vous dis, le jour où est-ce qu'en face, ils répondront avec. Mais on va quand même en faire quelques-uns histoire de s'amuser. Par contre, là où est-ce qu'on va s'amuser, c'est qu'on va faire les hélicoptères. On va regarder un petit peu les véhicules d'ailleurs. Les véhicules de combat. Véhicules aériens. Genre le Mosquito. Hélicoptère. Donc ça va être intéressant. Ça, on va pouvoir faire des hélicoptères pour pouvoir aller en face, quoi. Pour pouvoir aller faire des missions assez loin. Après, il faut voir pour les véhicules T2. Ouais, mais c'est pareil, ils sont encore plus pétés, The Catmass. Donc, le but du jeu, c'est pas que ce soit tout pété, quoi. Alors, le bloc moteur, alternateur. Ok, alors, bloc moteur, alternateur. Ok, bon, faut de 2. Tac, tac. Échappement, il m'en faut 4. Là, je vous l'ai dit, on va le faire en compte-goutte. 8 suspensions ici, donc ça fait 12 en tout. Quatre roues, logique. Donc 8 roues. Et ici, donc, acier composant et du bois. Acier composant. Ok, très bien. Alors, stockage, pack. Pour l'instant, on va mettre ça là-dedans. Donc, on a dit qu'il y avait quoi? Il y avait bloc moteur. On va tout effacer. Au sens, c'est pièces détachées, je pense. Produit manufacturé. Alors, on va regarder ça. Produit manufacturé. Pièces détachées. Ok. Voilà, let's go. Et oui, ça coûte super cher. Du mazout, il m'en reste un peu du carburant que j'ai sorti. J'en ai encore 576 en stock là-bas. Ah bah oui, voilà, c'est de la pompe industrielle. On en est comment au niveau des stocks? C'est bon, ça se refait. Alors, les véhicules pour l'instant, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais faire? On voulait faire de l'irrigation pour les champs. Chirurgie du cerveau. Ah, chirurgie du cerveau, ça pourrait être intéressant. Vous permet d'effectuer une intervention chirurgicale sur le cerveau. Il me l'a mis en queue, il me l'a mis en queue. Raffinage du métal, ok, c'est parfait. On a déjà les arroseurs. Non, pas ici. Pas d'hygiène, ils y sont pas. Les arroseurs ne sont pas en place. Arroseur irrigation. Ça fait une case de champ en moins. Là aussi. C'est quoi ça? Le livreur de McFly et Sir. Lol. Vendant les produits exotiques, let's go. Je peux pas débloquer la fabrication du truc pour ressusciter les morts. Alors, il y a eu un vote, il y a eu quelques épisodes, et en fait ce n'est pas passé.
Parce que je veux une majorité écrasante pour savoir si j'installe ce mode-là pour qu'il permette de crafter. Parce que c'est un petit peu ça, quoi. Ouais, c'est assez pourri, Redolf. Mais pour l'instant, je dis rien parce que de toute façon, on est en autarcie, donc. Contemple une œuvre d'art. Viens marchander après, s'il te plaît. On en est où ici? Alors, il me faut quoi? Forcément, il me manque du ciment. Donc en fait, il faut que... Et ils ont tout fait ici? Terraformation du sable. Ici, je peux pas le faire. Allez, let's go. Ça y est, ça revient. Et ils sont vénères. Les neuro-entraîneurs ont été utilisés. Négatif. Tiens, les neuro-entraîneurs, pour qui on en donne? Iggy, je pense que c'est obligatoire. Iggy, on va lui en donner. Où est-ce qu'ils sont, les neuro-entraîneurs? Neuro-entraîneurs, ils ont peut-être été installés ici. Alors déjà ici, ce que je veux ici, je veux les neuro-entraîneurs. Et je veux aussi les organes. Ok. Poumon. Voilà. Poumon rein. Dommage que ces compétences soient sous-exploitées avec un seul bras. Oui, putain, c'est vrai, Renolf. Il faut que je le fasse. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est en cours. Eh, regarde. Fabriquer les composants. Et je vais pouvoir. Les composants, de toute façon, il faut que je les automatise, on est d'accord. Alors, on est d'accord que ça. Si ça me sert encore à emballer du béton. Ça, j'en ai encore besoin pour emballer du béton. On est d'accord. Parce qu'en gros, ici, il ne m'emballe pas du béton. Donc celui-là sert encore, mais très peu. Ce qui veut dire qu'en gros, je vais quand même le déplacer. Je vais le déplacer et on va l'envoyer pêtre plus loin, ici. Non, ils sont énervés, ils tapent pas au même endroit que d'habitude. Il faut un truc pas prévu, les zombies. Depuis X épisodes, ils font toujours la même chose, mais là cette fois-ci, ils varient. Pourquoi? Pourquoi ils varient? Change la zone du vaisseau. Non, pour l'instant ça me gêne pas. Pour l'instant ça me gêne pas la zone du vaisseau. J'ai plus de bois. Par contre j'ai du béton. Allez, on va faire du tour, on est tué en béton. Tué en béton. En béton. Alors, tac, tac, tac. Ici c'est bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. On a dit qu'on avait des meilleures pompes au niveau de la flotte. Station de pompage. Ah oui, station de pompage, ça prend quand même un peu plus de place. Station de pompage. Faudrait que je remplace ici, là.
Station de pompage, on peut pomper jusqu'à combien de litres de flotte par jour? 10 000. Po, 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 po. Alors. Bah écoutez, on va remplacer ça. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ou alors, moi, j'en fasse une pièce technique ici. Salut Oko. Les zombies gagnent en intelligence, on est mort. Non, je pense pas. Je pense qu'on va faire ça. Hein. On va faire une pièce technique ici, hein, Makina. On va faire une pièce technique à cet endroit-là. Plutôt qu'une autre chambre. Ça m'arrangerait plus, je pense. Parce que j'ai plein de petits trucs à mettre. Et station de pompage ici, ça me. Je te cache pas que ça serait mieux. Aucun souci, Makina est aussi en artisanat. Ouais, ok. C'est le bordel là. Alors, on est bientôt en zone d'accalmie. La zone d'accalmie. T'as pas été faire du commerce là, Jekyll? Je suis encore très loin de faire ces défenses avancées que je voulais. Oh. On en parle ou pas? Que l'arme de Malo, elle fait sa taille? C'est clair. Jekyll, tu es où? Converti Nug. Attends, y a un problème d'accès à cette zone ou pas? Pourquoi tu peux pas y aller? Ah, mais tu peux pas y aller parce qu'en fait, l'entrée du. Ah oui, l'entrée, elle est là. Putain. Attends, mais j'ai jamais dit que le truc du vaisseau c'était là. Si, c'était. Je l'ai dit? Ah oui, je l'ai dit. Ah ouais. C'est moi ou c'est mes yeux? Bon, ok, c'est peut-être mes yeux. Oh merde. Merde, 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 merde. Mercredi. On est grave en manque de place. Hein. Combien il fait en place en taille le vaisseau? 4? 4, 4, 4, 4, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et combien de long? 8 de long, 4 par 8. Faut juste pas qu'il loupe son atterrissage. S'il loupe son atterrissage. Allez, vous repartez là. S'il loupe son atterrissage, il atterrit directement dans le truc d'essence. Ça va bien se passer, large. Faut qu'on démarre une nouvelle extension. Mais c'est clairement ça, Galgarad. En fait, je veux vraiment prendre possession ici. Là, là ce bloc-là, là, tout ce bloc-là, j'ai besoin de respirer. Pourquoi? Parce qu'ici, donc, je veux faire le bloc de prison assez facilement défendable. Et je veux agrandir la zone industrielle extérieure. Et non, il faut. Mais je vais pas avoir le temps là. J'aurai jamais assez de béton. Est-ce que j'ai assez de béton? Est-ce que j'ai du stock de béton? J'ai pas beaucoup de stock de béton. Hein. J'ai vraiment, vraiment pas beaucoup de stock de béton. Je sais pas ce qu'ils ont là, les Z, là. Ils jouent bizarrement là. Je sais pas pourquoi. Normal, on a plus de cailloux à mondre en béton. Ouais, tout à fait.
T'as trop de trucs à récupérer dehors. Est-ce que des volontaires pourraient tout ramasser pendant un temps calme? Rock and roll! On a un rempart qui vient de lâcher. Ok. J'ai rien demandé. Et il s'est activé tout seul. Ah mais oui! Ici, il y avait un câble fantôme. Et il était connecté sur le câble fantôme. Le câble fantôme vient d'être détruit par l'explosion. Premier réflexe. Et ben, il s'est connecté sur le premier câble. Sauf qu'il a une portée minimum. Gaffe, il peut tirer à travers les murs de les murs abîmés. Ouais, mais ça, les murs abîmés, normalement, il y a Dr. Reynolds qui va arriver pour les réparer. Il se lave les mains. Oh là, oh là, oh là, oh là, Jekyll. On va se calmer, Jekyll. Malo, je t'ai pas mis un 1 au RTS là? Alors pourquoi? Je les renvoie. Quentin n'est qu'à 3 pour LTS. Ah oui, effectivement. Bon, laissons la tour et l'automatique tirer. C'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on arrive sur une période d'accalmie au niveau des aides. C'est à ce moment-là où est-ce qu'on est censé flinguer le défoliateur. Parce que sinon, il va commencer sérieusement à me saouler. Raton laveur enragé. Mais bien sûr! Ok, les aides c'est terminé. Iggy, champion du tir. Alors. Expertise disponible, il y en a plein qui sont bons en expertise. Il y a pas mal de monde. Quentin, The Judge, Jekyll, Reynolf, il y a plein de monde. Allez, il faut le shooter là. Là, j'ai pas le choix, il faut le shooter. Parce que là, lui, il se fait plaisir. Le vaisseau défoliateur là, il est à une zone de fou là. Je sais pas combien il est là, mais il est à une rayon, un rayon de fou, il est où? Lichen pollué, ouais, ça commence à être vraiment pourri. Ça pue là. Voilà, c'est ça qu'on voulait là. Jekyll. Non, c'est bon. Scan. Ah, 61 de rayon. Bah oui, ça fait gaver longtemps qu'ils sont ils sont pas emmerdés. Oui, bien sûr. Là, je le paye.
Là, je le paye. C'est un truc qui booste un petit peu le moral, amnésique. Alors, on a combien? J'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup en béton. Mais si on part du principe que on veut faire ça. Admettons, j'ai bien dit admettons. On prend ça et on veut faire ça. Ah, il va m'en manquer pas mal quand même. Il va m'en manquer pas mal. Je viens de bloquer le garage. Oui, je viens de bloquer le garage, effectivement. Un petit peu con. Légèrement con. Non, c'est juste pour le calcul là. Parce que là, je voudrais bien. Donc ils sont toujours en zone. On est d'accord que la zone P1 elle est là. Faudrait que je lance la construction. Je vais attendre de flinguer ça là. Ah, oh, la fenêtre de tir elle est méga courte. Ou alors on bosse sous pression. On bosse à l'ancienne. Ça les gravats de basalte, je veux qu'ils soient là. J'aimerais bien qu'ils se speed un peu de la nouille ceux-là. Oui, ils sont contaminés, mais on a vu que c'était pas trop dangereux la contamination. Si c'était pas trop sur le long terme, Redolf. On met dans la case acceptable. Oh, la précision de Shaoui. Oh, ouf, la vache. Ah, par contre, quand ça touche, ça touche. Ok, autant pour eux. Sous pression des zombies, ça peut se faire au début de la vague. Sous pression des piquets, c'est chaud. Ouais, c'est exactement pour ça, Galgarde. Mais là, en fait, j'attends que dès qu'il est shooté, j'intègre ça dans la zone P1. Ce qui veut dire qu'en gros, ils vont sortir pour construire uniquement ici. En haut, c'est le raton laveur, on s'en fout. Pour l'instant, on s'en fiche carrément. Ça sera rapide à vampiriser. Ok, c'est parti. C'est parti. Donc, on étend la zone P1 à tout ce bloc. Alors attention, tu m'iras, j'ai une ouverture. Faut que je fasse gaffe aussi. Donc, je pense que je vais devoir tout prendre d'un coup. Je vais devoir tout prendre d'un coup. Je vais faire une porte temporaire ici. Ouais, on va faire une porte temporaire ici. Et ici, on va juste faire ça. Alors,
Et en full, tout le monde construction ou détruire peut-être moins intéressant si c'est le cas. Mais plus de monde en construction, par contre, faut adopter les chemins de patrouille aussi. Oui, alors ça, effectivement, ça sera après, Makina. Tu n'as pas mis le mur dans la zone P1. Déjà, ce que j'ai pas mis dans la zone P1, c'est ça. Bien vu, Shido. Bravo, bravo. Bon, je peux pas penser à tout, là. Je fais en sorte, je fais exprès de ne pas ouvrir les portes. Autre part. En gros, s'ils veulent sortir, il n'y a pas de souci, mais ils sortent ici. Effectivement, il me faut beaucoup plus de monde en construction. Alors, on va. Oula. On était comme ça. Je crois. J'ai pas fait gaffe. J'avais les yeux sur le chat sur mon écran de droite. Je sais pas ce que je viens de changer ici. J'ai entendu un cling avec le coup de la molette. Je crois que c'était. Je sais pas. J'ai entendu un bling. Tu as changé Iggy. Iggy sur quoi j'ai changé? En minage? Il était en 4? Peut-être ça. Agriculture. Ok. Bon, de toute façon, c'est pas très important. Principal, c'est ici. Alors, on est avec Boys. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'en gros, il y a des priorités sur la construction. Construire des toits. Et ben, on va passer aussi sur désinstaller une structure. Tiens, tac. Allez, on vérifie. Et on remonte toutes les priorités. Et on les redescendra après. Geôlier, geôlier, geôlier. Il faut que quelqu'un s'y penche pour geôlier. Non, Jekyll lui va rester geôlier à 1. Ok. Ça devrait le faire. Les animaux. Les animaux, les animaux. On va essayer de les garder en vie quand même. Les animaux sont en P1 aussi. Iggy. Non restreint. Tu ne répares pas à droite de ta sortie ouverte? Pour l'instant, non. Je veux savoir ce que fait transport de béton. Très bien. The Judge. Joue au fer à cheval, admettons. Jekyll. Jekyll, tu es dans le fort. Il faut que je te fasse sortir de ton fortin, hein, pardon. Sinon, tu vas péter un câble. Remonte-moi en agriculture aussi, pas besoin pour l'instant. Et il y aura besoin de moins en moins, ça c'est sûr. Repassement en transport plutôt que nettoyage pour aider. Alors, Galgarad. C'est la technique du pauvre, les gens. Quand tout est important, mais que tu n'as plus beaucoup de monde, adapte-toi au mieux. Les zombies reviennent, j'ai vu.
Allez. Quentin, annule ta patrouille, s'il te plaît. Cette tourelle-là est active. Ce qui veut dire qu'en gros, elle va tirer. Elle va tirer sur tous les êtres qui vont se pointer. La question est, c'est à quelle efficacité? Tu pourrais faire une petite patrouille pour protéger les travailleurs. C'est une bonne remarque, Tiken. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un câble fictif. Et ensuite, patrouille. Security, zone de patrouille. La patrouille violette. Vaisseau de commerce. Ok. Super, c'était le bon moment, quoi. Alors, regardons bien. Alors, les composants avancés, il en a, et il m'en faut. Les composants classiques, j'en ai plus, il m'en faut aussi. Gelée d'insectes, ça je m'en fiche. Les nouveaux entraîneurs, faut que je les utilise d'ailleurs, les nouveaux entraîneurs. Faudra qu'on pense ici à notre futur laboratoire génétique, mais là avec l'agrandissement, on va voir s'il y a la place. Ou sinon, ça sera le fruit d'un autre agrandissement. Derrière les travailleurs, oui, pas forcément, pas forcément. Ah, j'ai récupéré des nanites de résurrection. Je rappelle que ça se prend après, avant le combat. Donc me dites pas ressusciter un tel ou un tel, ça ne marche pas. Structure neuromusculaire, ça sert à quoi ça? Un ensemble de muscles synthétiques et des nerfs artificiels capables de recréer parfaitement la fonction d'un torse sain. Ouh, pas mal! Pas mal, pas mal. Ouais, les émeraudes, on peut les vendre, effectivement. Est-ce qu'on en a besoin aussi? Pas forcément. Enfin, pas forcément. Pas forcément besoin de vendre, pardon. Par contre, je peux vendre le poumon et le rein. Pas de bras, malheureusement. Il n'y a pas de bras. Les dispositifs de dissolvant, ça, je peux les vendre. Parce que ça, je m'en sers absolument pas. La main bionique, je pense que je peux la vendre. Dans le sens où, en gros, maintenant, on va faire des bras bioniques. Et déjà, je vais en acheter un, ça me fera gagner du temps. Première prothèse de torse que je vois, top. De quoi? Sur le, là, les structures neuromusculaires? Bras bionique avancé, j'ai pas la thune pour acheter ça, cash. Ah, les bras Arcotech, quoi. Ah, bras artificiel construit par Arcotech, il est assez fort pour écraser une épaisse branche dans sa main et assez précis pour écrire un poème sur un grain de riz. Oh, c'est mignon, c'est joliment dit. Il ressemble à s'y méprendre à de la chair naturelle, mais il est plus difficile à endommager que la plastacier. Même s'il est endommagé, il s'auto-répare. Son fonctionnement interne est un mystère pour tout esprit humain. Ok. Ciao JPB, bonne fin de soirée à toi. Et justement les gens, c'est l'heure de la pause. Donc comme d'habitude, pour ceux qui sont en direct, on se retrouve donc dans quelques minutes. Et pour ceux qui sont en différé, bah écoutez, ça sera le prochain épisode sur YouTube. Allez, c'est la pause. Bye bye les gens.